Salut à tous, Paul Bou, de la chaîne Black Ravens. Oui, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Ça va être une vidéo-réponse à JDL 30 sur sa vidéo historique de PJ Cheap, l'historique cheap, où les joueurs qui ne se donnent pas la peine de faire un background, on va dire qu'il y a du bon sens. Je vais avoir peut-être une opinion un peu différente de François là-dessus. Normalement, on se rejoint pas mal sur tout, mais là, pour ce qui est du background des personnages, des joueurs, c'est pas quelque chose qui me dérange. Ils peuvent faire pas mal le background qu'ils veulent. S'ils en font pas, c'est correct. C'est le choix, je veux dire. Il n'y aura pas de surprise qui vont y revenir d'en face éventuellement. S'ils en font un trop grand, ben là, c'est le contraire. C'est que probablement, c'est pas tous les éléments de leur background qui risquent de revenir, qui risquent d'être mis sur la table. S'ils ont juste quelques éléments, ben là, oui, je risque d'en tenir compte à un moment donné. Mais en général, je m'en fais pas trop avec le background des personnages. Est-ce qu'on s'en vient difficile? Est-ce qu'on s'en vient difficile en tant que maître de jeu? Est-ce que c'est l'expérience qui nous fait devenir difficile? Je dis difficile de même, là, mais je veux dire, le joueur, je me rappelle, t'sais, si vous allez dire, ouais, c'était dans tes débuts, là, quand tu évolues, quand tu prends de l'expérience, ça devient autre chose, mais on n'en faisait pas de background. On se faisait un personnage qu'on jouait, puis c'était that's it, là. T'sais, le maître de jeu, il avait préparé quelque chose, puis on jouait à son aventure, puis ça finissait là. On se borderait pas du reste. Fait que le background, c'était comme plus ou moins important. Oui, avec l'expérience, avec le temps, les personnages deviennent plus étoffés. On s'y arrête un peu plus. Je sais bien que moi, mon background va définir le personnage quand il commence. Sa vie d'aventurier, c'est son background qui va définir ce qu'il est. Mais sinon, il y a aussi, est-ce que le joueur, ça lui tente de faire un background? François en avait parlé, il y en a, ça ne lui tente pas, ils ne veulent pas se casser la tête. Et c'est correct, ils ont le droit, je veux dire, en tant que maître de jeu, t'es pas là pour leur faire vivre le passé, t'es là pour leur faire vivre le futur. Le présent, c'est ce qui compte. Je veux dire, tu sais, je vis dans ma petite ville, la province du Québec. Si je me retrouve en Chine un jour et que je passe le restant de ma vie en Chine, mais les chances que mon passé me rattrape, ils sont minces, ils sont extrêmement minces. Donc, maintenant, tu as les joueurs que oui, comme j'ai dit, ça ne lui tente pas de faire un background. Ils veulent faire un personnage, ils veulent jouer le personnage, puis that's it. Ça, c'est correct. Les joueurs de notre côté qui n'ont peut-être pas l'inspiration ou l'imagination pour inventer le super background. Là, c'est là qu'une session zéro, puis que le maître de jeu peut aider. Quand François il parlait de trois cas, les orphelins, les loups solitaires et l'autre, c'était les amnésiques. Si on prend l'orphelin, le joueur qui dit, ben moi, mon personnage, il est orphelin. Mais en tant que maître de jeu, ces joueurs, c'est peut-être pas comment développer, ou il pense peut-être pas comment je pourrais développer ça. Mais là, toi, en tant que maître de jeu, tu peux l'aider, tu peux lui poser des questions. Ça fait-tu longtemps que tu es orphelin? Qu'est-ce qui s'est passé? T'es arrivé quoi, ta famille? Tu as vécu où depuis ce temps-là? Est-ce que tu as été toute seule? Par qui tu as été élevé? C'est des questions que tu peux poser qui vont aider à développer le personnage de l'orphelin. Tu vas en connaître un peu plus sur son passé. Puis peut-être que ça va faire l'affaire du joueur aussi, là, que hey, j'avais pas pensé à ça, j'avais pas pensé à ça. Ah, mais tiens, oui, quand il est arrivé telle affaire. L'amnésique, ben, c'est pareil. C'est plus dur de dire, de poser des questions, qu'est-ce qui t'est arrivé avant? Le joueur dit, ah, mon personnage est amnésique. Là, tu peux te prendre autrement, tu peux y poser, tu peux y demander, ben, décris-moi cinq objets que tu as sur toi. OK, j'ai des pièces d'or. OK, mais ils sont à l'effigie de qui? Ils viennent d'où de ces pièces d'or-là? De quel pays? De quel royaume? J'ai un épée à deux mains. OK, mais y a-t-il une marque de fabricant dessus?
elle vient d'où? Cette marque-là, c'est un armurier très reconnu qui vit à telle place. Déjà, OK, bon, on ne sait pas exactement ce qui t'est arrivé là, mais on sait que tu es passé par là. Et l'amnésique, ben, la beauté de la chose, c'est que lui, tu peux y faire mal, comme tu veux. C'est-à-dire qu'il peut y arriver n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui peut ressurgir et dire « Hey, c'est toi, je t'ai vu tuer telle personne », puis il ne s'en rappelle pas. Fait qu'il est obligé de dire « Ben, ça se peut, je ne sais pas ». Donc, pour un maître de jeu, un amnésique, ça a un immense potentiel d'une certaine façon. Fait que de là à dire, bah, c'est plate, tu fais un amnésique. Ouais, mais introduis deux, trois éléments, comme je viens d'apporter, des objets qu'il y a, okay, ça veut dire que tu es passé par là, tu es peut-être passé par là. Puis après ça, ben, je joue avec ça, comme maître de jeu. Le loup solitaire, lui, ça, c'est autre chose. Est-ce que c'est le personnage vraiment qui se prête à ça? Est-ce que c'est le joueur qui veut jouer le loup solitaire? Pour moi, le loup solitaire, c'est pas nécessairement un background. Oui, si tu joues un assassin, tu vas peut-être être plus solitaire. Si tu joues un ranger, ça se peut que oui, tu sais... Tu es le scout, là, ça se peut que tu sois plus souvent toute seule, mais est-ce que c'est plus un trait de joueur qu'un background de personnage? Ça, je suis pas sûr de ça. Lui, c'est plus difficile, c'est plus touché. Oui, en game, ça va arriver qu'on va se retrouver seul, mais de là à dire que là, moi, c'est... J'ai peut-être pas eu à faire face à ça vraiment. Mais bon. Fait, ouais, voilà, les backgrounds, toujours intéressant. Hein? On veut, en tant que maître de jeu, on veut que ça nous donne du jus, que ça nous donne de l'inspiration. D'un autre côté, on n'en veut pas trop parce que là, sinon, ben, on ne peut pas tenir compte de tout. En tant que joueur, j'en ai déjà parlé aussi. Oui, je vais faire un background. Pas nécessairement un gros background. Si le maître de jeu veut s'en servir, qu'il s'en sert, c'est correct. S'il veut pas, c'est correct aussi. Comme j'ai dit, je le fais pas nécessairement pour le maître de jeu, je le fais plus pour moi en tant que joueur. C'est là que ça m'aide à définir le personnage, ça m'aide à définir pourquoi il agit comme ça. Si je prends un personnage que je joue présentement, c'est Bud, avec Rat Burger comme maître de jeu, dans Schwarzraben, avec le système Brigandine. Bud, c'est un assassin. Pour ceux qui connaissent Brigandine, c'est l'archétype du rat. Mais quand on. Le background explique pourquoi qu'elle est devenue un assassin, pourquoi qu'elle est l'archétype du rat. Puis c'est pour ça que j'ai fait ce background-là. C'est peut-être pas nécessairement pour donner du jus à Rat Burger, c'est plus pour m'en donner à moi, dire ben, t'as arrivé ça dans sa vie. Puis là, ça l'a amené à ça, ça l'a amené à ça. Puis aujourd'hui, c'est pour ça qu'elle est comme ça. Et c'est tout. C'est pas plus que ça. Est-ce que ça fait l'affaire de Rat Burger? Je sais pas. J'aurais peut-être pu en donner plus. Mais je pense que c'est assez vague aussi que Anguille, s'il veut emmener des affaires, ben oui, c'est idéal. Ça se peut-tu? Ben oui, ça se peut. C'est possible. Fait que voilà. C'est ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Je vais mettre la vidéo de GDR des 30 de François dans les commentaires en bas. Puis si vous avez des commentaires ou quelque chose, ben gênez-vous pas. Faites-le moi savoir. Puis je vous dis à la prochaine tout le monde. Ciao!